Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 65 de Neverwinter Night 2. Nous sommes toujours dans les mines, mines de gemmes, c'est écrit là-haut en fait. Il est 18h37 maintenant et il faut que nous allions chercher encore quelqu'un. On a perdu quelqu'un, je ne sais pas où il est. Alors, je peux passer par là en plus. Je peux surtout aller que là. Je cherche un nain. Vous auriez pas vu le nain passer quelque part? Alors, on a fait à droite là. Donc, voilà, il était là. Enfin, il y en avait un qui était là. Là, on est passé par là, mais il n'y avait pas de méchants. Enfin, des méchants, des... il n'y avait pas quoi. Donc, je lui... Ah, il est là. Bon, un esprit. Es-tu là? Louis, es-tu? M'entends-tu? Donc, du coup, on va boucher là. Ici, voilà, tu es parti par là maintenant. Ok, donc je t'ouvre ici, je t'ouvre la route directement maintenant. J'arrête ici, c'est bien fermé là. Ah, je crois que oui, hein, mais c'est fermé. Donc moi je t'ouvre là. Bon, en fait, c'est super simple à faire, hein, mais enfin, c'est super simple. Voilà, faut pas réfléchir 3 semaines. Même moi j'ai réussi alors. Voilà, donc là c'est fermé. Là, ok, là c'est fermé. Et là il n'ira pas. Donc il va aller par là. Pensez à refermer derrière lui. Parce que ce con là il éteint pas la lumière. Faut que ce soit des vivants de toute façon qu'il fasse ça. Hop, j'ai fermé, ouais, j'ai fermé. Suivant, tu pars au bon endroit. Pensez à fermer encore. Donc, j'ai mon dernier nain. Ok. Et il manque. Donc là, j'ai un nain, deux nains. Ah merde, il manque un nain en fait. Alors, j'ai un. Ah, il manque un nain. 3 et 3. Je vais voir si l'autre ne peut pas me refiler, me dire que c'est lui le dernier. Alors il me dit de la merde. Au revoir. Allez. Ah, vous êtes de retour. Que puis-je faire pour aider les vivants? Je suis dessus. Au revoir. Donc là. Pardon, désolé, à chaque fois je tousse. Ah, peut-être là. Non. Là-dedans. Quoi? Ok, bon. Ah, il est là, le nain. Pardonnez-moi, mon ami. Vivant, je n'avais guère pour habitude d'accueillir mes visiteurs avec des hordes de morts-vivants. Je suis Aneus. Ah, vous êtes conscient que vous êtes mort. Comparé aux autres esprits des environs, vous êtes plutôt d'humeur joviale. C'est vous, Aneus? Bah oui, question con. Comparé, ouais. Oh. Oui, c'est vrai. Sans doute parce que je subis mes tourments avec la conscience tranquille. D'accord. Quant aux autres, ils sont ici pour d'autres raisons. Certains sont enchaînés à leur douleur, à leur colère ou à leur regret. J'ai créé le gardien, voyez-vous? Oui, moi, un stupide nain bouffi. Je l'ai créé, puis tenté de le détruire. Mais je n'éprouve aucun remords, et je le referai si nécessaire. Ok. J'imagine que tu regrettes, ouais, c'est ça. Vous dites que vous avez essayé de détruire le gardien? Après sa corruption, oui. Deux fois. Ah, quand même. J'ai entendu dire qu'ils ont réessayé par la suite, mais j'avais déjà trépassé.
La première fois, nous avons envoyé les sœurs de soie. Irréfléchies et imprudentes, ces filles elfes, mais braves. Je les avais averties de ne pas attaquer le gardien. J'avais conseillé à nos chefs d'évacuer notre peuple du centre des terres et de nous regrouper, le temps d'élaborer un plan. Les sœurs furent anéanties. Nos chefs se tournèrent alors vers moi, et j'ai élaboré le rituel, ce même rituel de purification que vous cherchez à accomplir. Mais votre tentative pour détruire le gardien a échoué. Ouais. Nous avons échoué. Le rituel a fonctionné comme prévu, mais la discorde rongeait le cœur. Des magiciens qui avaient été les amis du gardien refusèrent de le frapper. À la place, ils essayèrent de le raisonner. Pourquoi ? Ses amis, aveuglés par leur arrogance, était persuadé qu'il réussirait là où le pouvoir d'Illefarm avait échoué. Comment les magiciens pourraient-ils espérer ramener le gardien à la raison ? Et que s'est-il passé ? Ce à quoi nous aurions dû nous attendre. Le gardien n'était plus humain, en dépit de la vie de ceux qui avaient été ses amis. Nous étions divisés, et le gardien en profita. Il nous ôta la vie, à tous, et avec nous. Disparut la puissance d'Illefarn. Enculé. Et qu'en est-il devenu du gardien ? C'était un grand homme, un patriote. Pouvez-vous imaginer un tel sacrifice ? Il n'a pas simplement sacrifié sa vie pour son peuple, mais son être tout entier. J'ai besoin de votre aide pour ouvrir l'arbre de communion. 4. Ah, cela signifie que vous voulez affronter le gardien. Soit, je vous suivrai. Ouvrez le chemin. Je l'ouvre. C'est le mec dépité, quoi. Au W, déjà, c'est mieux. Eh, mais on est déjà venu là, et je n'ai pas vu le con. Ah, le con, je ne l'ai pas vu. Bon, déjà, la route est ouverte au bon endroit. Allez, nain. Ok, ça c'est bien. Je vais ouvrir la suite. Ok. Bon, ça devrait aller vite là. Je pense que ça va être un combat cet épisode. On a commencé à quelle heure le combat ? Merde ! Voilà, c'est plus loin. Ouais. Ah là, j'ai perdu là. Donc, on a commencé à quelle heure cet épisode ? Je sais plus. On va voir ça de toute façon. C'est bon, tu peux avancer, papy. Amandeus, là. Je sais plus comment taper. Bon. Pardon. Bah, sauvegarder, tiens, au passage, ça me... On a commencé à 36. Il est 45, ça fait 10 minutes. Un peu moins de 10 minutes. 36, même 37, je crois. C'est pas grave. Camille. 120. Hop. Désolé pour le bruit, je coupe pas le micro. Reposage de casque que j'ai mal mis en fait, donc je vais refaire du bruit. Ah, j'ai pas fait de bruit, j'ai coupé le casque. Ok. Ah, pardon pour la souris. Dans les temps anciens, le gardien fut créé afin de protéger Illefarn. Si le temps est venu d'abattre notre instrument ultime, vous serez l'un des agents de sa destruction.
Prenez cette bénédiction de communion et que sa douce lumière vous réconforte dans vos voyages. Merci. Donc c'est une deuxième bénédiction en fait, il n'y a pas de combat. Je m'attendais à un combat quand même. Hein. La deuxième partie du rituel est accomplie. Concentrez votre volonté sur la statue. Je crois que j'ai pas beaucoup de volonté en fait. Quel que soit le nombre d'attaques que le roi des ombres vous assène, vous avez le pouvoir d'apaiser les blessures que vous recevez, vous ou les autres. Vous avez reçu l'aptitude spéciale lumière apaisante lorsque vous y recourez depuis le menu déroulant. Le personnage ciblé acquiert un pouvoir de régénération et récupère les effets d'absorption des niveaux. Ok, bon, va falloir que je pense à m'en servir. Déjà, je découvre comment s'en servir. C'est fait. Ah, je m'attendais à de l'épique et non. Bon. On va voyager vers le troisième endroit. On va... J'hésite à aller en Ilfarn, mais non, on va aller d'abord récupérer... Ah, GG oui. Bon, on s'en fout un peu, mais GG. Hop. Super, c'était super yes. Sympa. Bon, repos un peu quand même, parce qu'on a bien bossé là. Hein. On s'est attaqué au golem, je pense que c'était un truc horrible le golem, c'était la pire chose qu'il y ait. Voilà, c'est là que je veux aller, au fort de la rivière, voilà. Ah, des gobelins. Espèce ignorant rat de bibliothèque de l'académie. Approchez. D'accord, je m'en charge. Ah, pas par là. Je veux que ce coffre. Tu me prends bien ce qu'il y a sûr, dedans. Je peux faire ça. Ok, bon bah d'accord, écoute. Je m'en charge. On va tenter ça. Je sais pas ce que ça va faire, on va le refaire. Ah t'es tué mort, d'accord. Oh la vache. Ouais. La vache, puissance divine, renvoi, dissipation de magie, guérison des maladies, guérison de la cécité, surdité, les soins, négation de l'invisibilité, blessure grave, dissipation. Ah ouais! Exécution, on va tenter exécution. Qui c'est qui a plus de vie? Toi. D'accord, on est dans la merde. Du coup, c'est dans mes cordes. On va faire un battre en retraite. Ce que je suis à bout de force. Par les enfers! Ah, je suis lourde, je suis trop lourde. Je vais mourir. C'est fini pour moi. Ah non. Désolé. Bon, bah, du coup, vous allez revoir ce qui s'est passé. Ouais. Par contre, je vais le mettre en accéléré dans ce coup-là. Enfin, en accéléré, je vais cliquer rapidos. Ah, j'aurais dû faire une sauvegarde en sortant, j'ai été bête. C'est pas grave. C'est pas comme si c'était nouveau. On a dit que c'était quelle heure? 36, hein, donc ça fait du 56. C'est 37, 57, c'est ça. Oh, on a le temps encore. Bon, allez, toi, tu y vas, mon ami nain, là. Voilà. Hop, on va accélérer tout. J'aimerais bien pouvoir accélérer, par contre. C'est normalement... Ah, c'est les dialogues que je peux accélérer. Et là, j'ai une crise d'FPS qui monte, là. Voilà. Alors, bah, parle, dis-moi quelque chose. C'est vraiment dans que quand ça parle. Voilà. J'aurais pu tout vous mettre en accéléré, en fait. Mais... Ou même vous l'ellipser. Bon, ça dure que quelques secondes, pour 30 secondes, donc c'est pas méchant. Vous avez... Ok. Bon, on repart maintenant, là-bas. Ce coup-là, et on va mieux s'apprêter. Mode fouille désactivé. Ouais, c'est gentil.
on va mieux s'apprêter pour s'occuper de l'entrée du fort. Et on a vaincu un golem, mais on se fait pourrir contre 4 trolls, quoi. Oh, pardon. Allez, on charge. Oh, j'ai super mal au dos. Je suis désolé de... Pire si je fais du bruit à chaque fois, mais... Ah oui, c'est vrai, suivez, t'as ton niveau, toi. Tac. Voilà, ça sert à un dos. Raté. Donc je pense à sauvegarder, à faire ma pause, vous inquiétez pas, me préparer psychologiquement et physiquement. On va avancer encore un peu. Voilà, donc tout le monde est prêt. Les ennemis sont proches, mais pas assez. Tac. On sauvegarde ici. Donc on est à 65-2. Putain, la vache. Bon, même si la 65-1 est inutile, du coup, de fait. Allez, Camille, tu t'occupes directement des ogres. Des ogres. I will. D'accord, je m'en charge. Bien sûr, je peux faire ça. Tu vas là. On fait comme d'hab. Tu vas sur le coffre. Par contre, on va changer de gamme. Puisque là, tu vas me faire ça. Tu vas m'en faire 3, tiens. Voilà, ça change la donne, hein. Allez, encore. Allez, encore. On va me faire une boule scintillante derrière, allez. Par les enfers. Tu croches, je t'ai dit. D'accord, je m'en charge. Boule de feu, je l'ai encore. Ensuite, les gobelins ours. Les gobelins plutôt, les petits gobelins. Bien sûr, je peux faire ça. Mais je t'ai dit de l'ouvrir. D'accord, je m'en charge. Ah non, j'ai peur que ce soit carré. Ah, on a perdu Camille aussi. Un projectile magique, c'était. C'est pas résoudre le problème. Même pas. On va faire un peu de tempête de glace. D'accord, passe sur lui là-bas. Voilà. Bon, on va faire des rayons prismatiques pendant ce temps-là. Banini. Ah, c'est pas comme tout à l'heure. D'accord, je m'en charge. La vache, combat super tendu. Même si Nini n'a servi à rien, n'a pas fait ce que je voulais. Tac. Yes. Mon Camille s'est fait défoncer la mouille. Ah là, la potion de la rue du renard. Eh ben, je vais faire la sauvegarde. Parce qu'elle était violente. 0,65,3. On va rentrer dans, dans le fort, du coup. Alors, normalement, si c'est bien compris, j'ai Gethul, comment il s'appelle, qui est là-dedans, je sais plus. Comment t'appelles-tu? Getno. Étage supérieur, d'accord. Bon, alors pour un moment encore là-dedans. L'inscription dit ici repose Jamel, hôte du fort de la rivière. Jusqu'à la fin, Salam resta forte et son bouclier vaillant. Seul un être de valeur égale pourra brandir son sceptre. Cette personne devait avoir une volonté incroyable pour commander tant de soldats, mais ça n'a pas impressionné ceux qui ont pillé son tombeau. Je ne vois ni sceptre, ni bouclier, ni épée à ses côtés. C'est vrai, ils ont dit. Ouais, bah ouais. Nini. Je peux t'aider? Ouais, tu bouffes ça. I'm afraid. D'accord. Délaissant. Ah ouais, effectivement, ouais.
Ça va être tendu. Voilà, je peux passer évidemment. Yes. Ah, réussite, ça c'était logique. Bon, ça pue le piège. Hein. Je vais pas me mettre en fou, je vais me prendre les pièges dans la gueule et puis voilà. Zéro. Oh putain, Nini. Je peux t'aider ? Ouais, tu m'ouvres ça. Yes. Encore un troll. Direct au coffre. Voilà, je prends du temps. Ah bah c'est cool, tu gères toute seule. Pour une fois. Ça va pas, je suis juste à descendre hein, quand même. Ouais, il y a plus de secours. Je prends en même temps, hein, on est en combat et là... Bon voilà. Là il y a quoi? Une masse en plus, elle a l'air brutasse. Bah toi, vas-y. C'est bien, t'es pas en retard en plus. C'est bien ma fille. Hop, c'est ouvert, il n'y a pas l'air d'avoir de pièges. En tout cas, il y a des souris partout. Hein. Et le bâton. Alors, équipons-nous. Ah, je vais peut-être pouvoir prendre ça. Ça, ça fait quoi? Un des 12, plus 2 d'altération, d'accord, c'est pas terrible. Un des 6. Ouh! Ensorceleur, pas mal. Avec des utilisations, il a 50 charges. Ok, bah écoute, Kara. Oui. Oui. Tac, tu changes d'arme. Tu passes à 19 et t'étais à 19, d'accord. Ça n'a rien changé, mais faudra juste voir pour te changer de bague, etc. Yes. Les ennemis sont proches, d'accord. Il y a le bruit d'un slime, ah, c'est marrant. Leader, d'accord. Que fais-tu ici? Es-tu un espion du tank? Le tank m'a envoyé ici pour tuer Gelu. Ben voilà. Dans ce cas, tu peux compter sur l'aide de Leader. Ah, mes troupes et moi en avons assez de ce mage ogre. Il nous a promis force pillage, mais attendons toujours. Si tu veux la mort de Gelu, tu vas d'abord devoir m'aider. Ouais. Ouais, mais Goblour, salon t'attend dans la cour du fort. Si tu ressors avec la tête de Gelu, je te laisserai la vie sauve. Dans le cas contraire, tu périras. Je ne marchande pas avec les gobelours. Oh, et si je te tue à ta place, je ne marchande pas avec les gobelours. Peu importe, potendre. Mes frères et moi partons, mais nous attendrons dans la cour. Si tu ressors avec la tête de Gelu, je te laisserai la vie sauve. Dans le cas contraire, tu périras. Super. Épique, épicness. Ok, donc je pense que pour l'épisode suivant. J'ai demi-tour, c'est un camion pour faire demi-tour. Bref. Les amis proches encore. Hein. Ah bah voilà. Et puis il est 19h. 19h, c'est le temps de clore pour moi l'épisode. Hop. Voilà, vous venez ici. Allez, on se réunit. Voilà, on se met bien pour la photo. Voilà. Ouais, bon bah. Voilà, on est bien, on est beau. Et ben moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode donc 66. Et si vous avez aimé cet épisode, ou même les autres, hein, n'hésitez pas à mettre des pouces verts, à les commenter, faire tout ce que vous voulez. Voilà. En tout cas, je vous donne rendez-vous donc pour la suite. Et à bientôt. Ciao tout le monde. Pouce.